Vous pouvez revoir le livre de la jungle et je laisserai vos parents vous réexpliquer le lien avec le texte d'aujourd'hui. On va lire le texte, il nous faut des lecteurs, s'il vous plaît. Je crois qu'il n'y a que 4 versets. Alors, mange ta nourriture avec joie, bois ton vin de bon cœur, car depuis longtemps, Dieu approuve ce que tu fais. Porte toujours des vêtements de fête et n'oublie jamais de parfumer ton visage. Profite de la vie avec la femme que tu aimes tous les jours de la courte existence que Dieu te donne sous le soleil. Oui, ta vie est courte et c'est la part que tu reçois pour le travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que tu peux accomplir avec tes seules forces, fais-le. Car dans le monde des morts où tu vas aller, on ne peut rien faire. On ne peut pas réfléchir. Il n'y a ni connaissance ni sagesse. Alors, je ne sais pas pour vous, la dernière fois que vous avez lu le livre de l'Ecclésiaste, mais quand Julien m'a dit voilà les thèmes, le prochain thème de culte, et qu'il m'a annoncé les références, je me suis dit, ouais, l'Ecclésiaste, c'est quand même pas un texte facile. Et donc, je me suis dit, pour comprendre quand même dans quoi je vais me lancer, je vais essayer de lire le livre. Et je commence ce soir avant de me coucher, je continuerai demain. Et quand j'ai commencé, j'avoue que je l'ai lu d'un trait. Et donc, ça donne une vision assez globale, ça se lit vite. Donc, si vous avez envie de le lire en rentrant chez vous, n'hésitez pas. Et je me suis dit que malgré le contexte, ou en tout cas tout le pessimisme que contient ce livre, eh bien, il ressort quelque chose qui est comme un hymne à la vie, un hymne à la joie et à la jouissance. Et parmi les phrases qui revenaient régulièrement, qui m'ont marquée, il y a celle-ci. « Crains Dieu et observe ses commandements, car Dieu appliquera son jugement sur tout ce qu'on fait, sur toutes nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient cachées ou connues. » Ce livre parle beaucoup de vanité. Le mot vanité revient aussi beaucoup. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que je comprends bien ce qu'il veut dire par vanité? Et j'ai été chercher dans le dictionnaire, et ça renvoie à plein de mots. J'en ai retenu quelques-uns. Ça renvoie à tout ce qui est dépourvu de sens, à la futilité, à la fragilité, à la fumée, et puis voilà, tout ce qui va avec. Et en y regardant de plus près, on pourrait se dire que notre vie, par moments, elle peut nous sembler très vaine et qu'elle n'a aucun sens, elle peut nous paraître creuse et fragile. Et peut-être que vous êtes déjà dit ça ou que vous dites ça en ce moment. Peut-être que vous traversez des moments de tristesse ou de déception. Ça peut être lié à votre situation professionnelle, ça peut être lié à votre vie de couple, ça peut être lié à votre solitude en tant que célibataire, que le célibat vous pèse. Peut-être que vous affichez une carapace, une image de quelqu'un qui a très bien réussi, pour qui tout va bien, mais que malgré tout, vous vous trimballez un sentiment d'inquiétude, de manque de joie, de tristesse. Peut-être que vous inquiétez, en tout cas je vous resitue ce qui ressort dans ce livre de Salomon, avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse. Toutes ces inquiétudes qui peuvent lier à peut-être à votre succession, à vos héritiers, peut-être que vous vous dites que deviendra votre héritage ou des biens que vous laisserez sur la terre. Dans tout ça, l'Ecclésiaste, il nous répète au moins 20 fois que tout est vanité, que tout est creux et que tout cela n'a pas de sens, que tout est futile et insignifiant. Et ce qui peut être encore plus déprimant, c'est que tout au long du livre, on a l'impression que rien ne va changer cette situation, que rien ne pourra l'améliorer, que le temps qui passe ne pourra rien ni changer. Il parle des regrets qu'on peut avoir de notre passé, en disant que c'était mieux hier. Il parle des plaintes de l'époque, et peut-être que vous aussi, vous avez quoi de plaindre de votre vie présente, et même si vous ne l'avez pas, dans la culture française, il est bien connu qu'on aime bien se plaindre de tout, tout le temps.
Et il parle même de cet avenir dont on pourrait espérer qu'elle soit meilleure, et hélas, ça n'arrive pas. Pour lui, hier n'est pas mieux, demain ne sera pas forcément meilleur, et aujourd'hui est aussi mauvais qu'hier et demain. Alors on peut se dire, à quoi bon essayer de faire mieux, puisque l'être humain est voué à faire le mal, et que même quand on a l'impression de faire des progrès vers le bien, eh bien le mal revient encore plus fort que ce qu'il était hier. Alors, on ne sait pas bien qui a écrit ce que je disais à Alice quand on a partagé, qui a écrit ce livre. Certains disent que c'est Salomon, d'autres pas. Quoi qu'il en soit, ça a l'air d'être quelqu'un qui a connu des situations diverses et variées. Il nous parle de toutes les richesses accumulées, du pouvoir acquis, de l'abondance, du luxe, de la popularité, des femmes et de la connaissance. Et à la fin, ou dans tout le long du livre, il nous dit que rien de tout cela n'apporte de joie pérenne à l'Ecclésiaste, mais peut-être à vous aussi. Il se rend compte, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, que malgré toute la connaissance accumulée, que malgré toutes les années qu'il a passées à se former, à étudier, à apprendre, finalement, il ne sait pas grand-chose. Il traite les sujets du mariage et du célibat, et pour lui, il dit, eh bien, dans l'un ou dans l'autre, il n'y a aucun sens à en tirer, parce que quand on est marié, on a le risque d'être déçu, d'être trompé, d'être abandonné, et quand on est seul, eh bien, on a le risque de finir seul. Et à la fin, dans tous les cas, on finit seul. Alors, le seul petit espoir qu'il a, c'est de dire qu'il trouve un peu de réconfort auprès de ses amis. Ça lui apporte un peu d'apaisement. Et c'est peut-être notre cas aussi ce matin pour certains d'entre nous. Et comme lui, il y a de quoi être déçu lorsque l'on regarde autour de nous et que l'on voit que ce n'est pas parce qu'on fait le bien qu'on est mieux récompensé par rapport à ceux qui font le mal. Que le méchant est plus honoré que ceux qui font le bien. On peut se dire que notre monde est mal fichu. Il parle de la corruption qui était partout autour de lui, mais qui est aussi partout autour de nous, de cet espoir qu'il a pu mettre dans les dirigeants à un moment donné, ou qu'on peut mettre nous-mêmes dans les dirigeants en disant que peut-être les futurs seront meilleurs. S'il y a du changement, ça sera mieux que ce qu'on a connu. Et il se rend compte que même là aussi, il n'y a rien qui change, que tout est comme avant. Et que même ceux qui devraient rendre justice ne le font pas. Et dans tout ça, le pire, c'est qu'en y regardant de près, il se rend compte que même lui-même et même nous-mêmes, nous sommes au même rang que tous ces gens que nous critiquons, ces dirigeants corrompus, ces gouverneurs, ces juges, tous ces gens qui sont censés changer les choses dans la société, eh bien, on se rend compte qu'on est par moments comme eux. Alors, je vous invite, après avoir brossé un tableau si triste et pessimiste, sur le sujet du jour, qui est de profiter de chaque instant, de prendre la joie dans chaque instant de notre vie, malgré tout ça. Parce que le sujet du jour nous invite à nous réjouir de ce que nous gagnons à travailler, à nous réjouir et d'être heureux avec la femme qu'on aime, à nous réjouir et à être heureux avec le mari que Dieu vous a donné, avec vos enfants et avec vos amis. Oui, l'Ecclésiaste nous appelle à prendre du temps, à partager les bons moments de repas, de fêtes. Il y avait une belle image tout à l'heure. Que Dieu nous accorde, parce que ces moments-là, c'est aussi Dieu qui les permet. Mais il nous invite de nous garder de tout excès. Il nous dit de ne pas nous prendre la tête, à penser qu'à force d'œuvre, nous arriverons à gagner notre salut, mais à vivre vraiment dans l'équilibre. L'équilibre revient tout le temps.
Rappelons-nous que nos jours sur la terre sont comptés. Plusieurs livres dans la Bible, plusieurs textes reviennent là-dessus. David nous dit combien il crie à Dieu, combien il veut rester en vie, parce qu'il dit « là où on va, il n'y a pas moyen de te louer ». Alors, usons de la sagesse que Dieu nous donne pour nous éviter des mauvais choix qui pourraient nous conduire à des conséquences dont nous aurions à regretter, ou en tout cas qui seraient terribles pour nous. Souvent, nous accusons les autres, mais là aussi, l'Ecclésiaste, dans sa sagesse, nous demande de ne pas toujours accuser les autres, mais de regarder à nous-mêmes en quoi nous sommes responsables de certains de nos malheurs. Parce que tous les malheurs qui nous arrivent ne sont pas forcément... Souvent, dans le langage courant, on dit « Dieu nous punit, j'ai peut-être fait tel mal ». Mais souvent, c'est aussi lié à notre propre responsabilité, aux choix que nous avons faits ou que nous faisons, qui nous conduisent à des conséquences désastreuses. Souvenons-nous que le but de notre vie est de louer le Seigneur, de le reconnaître comme seul Dieu et de suivre ses commandements. L'Ecclésiaste nous invite... accueillir tous les bons moments que Dieu nous donne, à nous amuser, à goûter à la joie, à prendre plaisir du temps qu'on passe avec les personnes qui nous sont proches. Mais tout cela, nous dit-il, faisons-le dans le respect des commandements de Dieu. Profitons de chaque instant que Dieu nous donne. Les jeunes, profitez de votre jeunesse pour faire le bien. Les moins jeunes, profitez du temps qui passe et que Dieu vous accorde pour le servir dans la joie et à goûter chaque instant qui passe. Cueillez chaque instant pour ne pas avoir de regrets plus tard, nous dit-il. Louons Dieu tant qu'il nous prête le souffle de la vie, car après, on sait qu'il est trop tard. Reconnaissons que Dieu est grand et qu'il est juste, et qu'il récompense le bien et qu'il punit le mal. Alors oui, souvent le juste est persécuté. Oui, souvent le juste vit des malheurs, des épreuves. Et souvent, nous voyons des méchants, prospérer et même honorer et louer malgré leur méchanceté. Heureusement que nous croyons en un Dieu puissant, un Dieu qui répare le mal commis. Alors, des fois, nous voyons cette réparation dans cette vie-là, dans ce monde-ci, mais d'autres fois, et même des croyants de la Bible qui nous ont précédés n'ont pas forcément vu la réparation de ce mal dans ce monde. On peut penser à tous ceux qui ont été persécutés, on peut penser à tous ceux qui ont eu une espérance, une foi, mais qui n'ont pas vu les choses se réaliser de leur vivant. L'Ecclésiaste, dans tout ça, nous recommande de prendre plaisir aux choses simples de la vie, au moment, à chaque moment, à chaque instant de notre vie. Il parle du manger, ça semble très simple, mais il nous dit de prendre plaisir de ces moments où on mange, de ces moments où on boit, où on partage du vin, de ces moments de travail, de pouvoir prendre plaisir de la femme ou de l'homme qu'on aime, de son entourage, de ses enfants, de sa famille, puisque nous dit-il, tout cela, ce sont des bénédictions de notre Dieu. Et vous, ce matin, j'ai une question pour vous. Qu'attendez-vous pour vivre cette réjouissance dont nous parle l'Éternel ? Nous savons qu'il y en a une que nous vivrons le jour de ses noces, mais avant ça, il nous demande de nous réjouir déjà ici-bas. Qu'attendez-vous ? Est-ce que vous attendez la fin de vos études, pour ceux qui sont étudiants ? Est-ce que vous attendez l'obtention d'un diplôme ? Est-ce que, pour ceux qui sont seuls, vous attendez la rencontre avec l'être bien-aimé ? Est-ce que vous attendez le jour de votre mariage ? Un déménagement ? Une promotion ? L'arrivée d'un enfant ? Est-ce que vous attendez, après un poste tant rêvé, la retraite ? Est-ce que vous attendez la conversion de votre enfant ou de votre conjoint pour être heureux ou pleinement heureux ? Je vais vous inviter à faire un exercice, à fermer les yeux pour ceux qui ont besoin de se concentrer, et de vous imaginer
devant une échelle de 0 à 10, une échelle du bonheur, de la joie intérieure, et de vous dire, sur cette échelle entre 0 et 10, où vous situez-vous ? Soyez honnête avec vous-même, où vous situez-vous ? Peut-être que vous dites que vous êtes à 0, à 1, à 2, jusqu'à 10. Ce matin, prenez plaisir au maximum de la vie. Ne nous laissons pas voler l'instant présent par des regrets du passé qu'on ne peut pas changer ou par des plans sur l'avenir alors que nous n'en avons aucune maîtrise. D'ailleurs, la Bible nous invite plusieurs fois à ne pas nous inquiéter du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, nous dit-il. Mais il faut garder un équilibre dans tout ça. Ce n'est pas parce que Dieu pourvoit que nous devons être paresseux aujourd'hui et ne rien faire pour préparer notre avenir selon les moyens que Dieu nous donne, puisque là aussi, ce serait une insulte à notre Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il y a la grâce que nous devons nous vautrer dans le péché sans nous repentir et sans demander à Dieu de nous donner son esprit pour mieux faire les prochaines fois. Donc comme on l'a dit ce matin avec Alice, il y a vraiment cet équilibre à toujours garder. Et dans toutes nos jouissances, n'oublions pas que notre vie ne se limite pas ici-bas. Puisque sinon, à quoi bon, nous dit Paul. Il nous dit, si elle se limite ici-bas, alors mangeons, buvons et mourons. Mais il va plus loin, il nous dit, nous savons que nous avons une espérance plus grande, ce qui fait que justement, dans tout ce que nous faisons, nous savons qu'il y a quelque chose après. Et Paul commande aux Philippiens de se réjouir en tout temps. Et ce matin, le message n'a pas changé. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Puisque lorsque ce commandement tombe à l'époque, le peuple de Dieu n'est pas dans une période de festivité, de festoiement. Non, il est en pleine persécution. Donc, quel que soit ce que vous vivez en ce moment, le commandement de Dieu pour vous ce matin, il est toujours le même. C'est celui de vous réjouir et d'être joyeux. Et cette joie dont nous parle Paul, elle ne dépend pas de ce que nous vivons, que ce soit des injustices sociales, que ce soit des épreuves, que ce soit une perte d'emploi, que ce soit un abandon, que ce soit une persécution de tout ordre. Cette joie, elle ne dépend pas aussi de ce que vous avez amassé, de vos trésors. Non, je parle de trésors matériels. Cette joie ne dépend pas non plus de votre état de santé, ni de votre sentiment de bien-être peut-être intérieur. Cette joie, elle est le signe de la présence de Jésus dans votre vie. Cette joie est le fruit de l'Esprit de Dieu. Et elle est aussi un témoignage auprès de ceux qui nous regardent vivre. Et comme le dit l'Ecclésiaste, je vous invite à faire ce que vous avez à faire et à trouver le bonheur dans tout ce que vous avez à faire. Ce matin, j'ai parlé de Maillé. Alors, il y en a qui m'ont dit, ah, on ne sait pas de qui il s'agit. En tout cas, moi, j'aime bien cette chanson, peut-être pas tout, mais en tout cas, il y a certains passages dans lesquels je me retrouve complètement. Cette chanson qui dit, il est où le bonheur, il est où ? Et le bonheur, il est là, il est en vous, il est autour de vous. Et toutes les fois où vous courez après le bonheur, il est très probable qu'il vous échappe. Alors recherchez le bonheur en vous et autour de vous. Peut-être que vous faites tous les efforts possibles pour trouver le bonheur, surtout quand ça ne va pas, que vous vous sentez déprimé. Alors il y en a qui ont des techniques, hein, qui disent « Ah, je vais faire le yoga, ça ira mieux. Je vais faire tant de kilomètres de course, ça va aller mieux. Je vais chanter, je vais sortir en boîte, je vais... Et quand ils rentrent, quand ils reviennent au point de départ, eh ben, ça aura duré quelques minutes, quelques heures, et la recherche aura été vaine.
Alors prenons chaque jour que Dieu nous donne comme unique, comme cet instant présent où il nous appelle à trouver le bonheur en lui, avec lui. Et même si les jours peuvent se suivre et que vous avez l'impression qu'ils se ressemblent, eh bien dans cette continuité qui peut paraître la même, prenez le temps de vous dire que ce moment, ce temps, il est unique et qu'il n'y en aura pas un autre pareil. Ou en tout cas que ce temps ne reviendra pas. Oui, louez le Seigneur en tout temps. Louons le Seigneur en tout temps pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour. Je ne vous dis pas de le louer pour les malheurs qui arrivent ou pour les épreuves. Mais je vous invite à le louer parce qu'il est plus grand que tous ces malheurs. Il est plus grand que toutes ces épreuves. Et lui, il connaît tout. Il voit tout et il a la réponse adaptée à nos souffrances. Et même dans ses silences, il est là. Il attend juste une chose de notre part. Il attend qu'on puisse lui faire confiance de manière inconditionnelle. Et en préparant le message, je suis tombée sur une histoire écrite par le pasteur Patrice Martorano, pour ceux qui vont sur Top Chrétien, voient de qui je parle. Et il raconte l'histoire d'un pasteur qui a vécu quelque chose dans son enfance. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre. Et ce pasteur, quand il était enfant, il avait une tante pieuse, très pieuse. Peut-être qu'autour de vous, vous avez des personnes comme ça, très, très pieuses, mais qui avait un visage toujours grave et sévère. Alors qu'il s'amusait chez elle, un dimanche, elle dit en colère, « Ne fais pas de bruit, c'est le jour du Seigneur !» Alors en tant qu'enfant, il essaya de se contenir, il se dit, « Bon, je vais essayer d'être sage, c'est le jour du Seigneur, tout ça. » Mais après quelques minutes, pour ceux qui ont des enfants ou qui côtoient des enfants, il avait dû oublier la consigne, il se mit à chanter. Alors elle lui dit d'un ton autoritaire, « Cesse cela, c'est le jour du Seigneur, sois sérieux !» Alors il décida de rentrer chez lui. Sur le chemin, il vit des poissons frétiller dans la rivière. Il s'approcha et leur dit, en imitant sa tante, « Ne frétillez pas, c'est le jour du Seigneur !» Alors après avoir parcouru une certaine distance, il entendit dans les branches des oiseaux gazouiller, des oiseaux qui gazouillaient, et il leva la tête et avec un visage terne, il dit « Cessez de gazouiller, soyez sérieux, c'est le jour du Seigneur. » Et lorsqu'il arriva chez lui, il passa devant l'étable où demeurait un vieil âne. Et ce vieil âne, il lui restait pas beaucoup de jours à vivre. Et le regard de l'animal portait toute la misère d'une lourde vie de labeur. Et l'enfant qu'il était fut interpellé par cette tristesse. Il s'approcha de l'âne et avec beaucoup de compassion, il lui mit le bras autour du cou et lui dit, « Tu sais, toi, je t'aime bien. Tu as la même religion que ma tante. » Alors nous, est-ce que nous sommes comme cette tante qui, malgré toute notre vie de chrétienté, eh bien, arborant toujours ce visage triste, grave? En tout cas, comme Paul ce matin, comme il a encouragé les Philippiens, je vous encourage aussi que quels que soient les moments par lesquels vous passez, pouvoir dire avec lui et comme lui, je sais vivre dans le dénuement et je sais aussi vivre dans l'abondance et je peux tout par celui qui me fortifie. Car nous savons que notre joie, elle est nulle part ailleurs que dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le seul fait de lui appartenir, c'est la plus grande joie que nous pouvons avoir dans notre vie. Alors pour terminer, et avant de conclure le message, je vais vous inviter à prendre une minute. Je vais vous inviter à prendre une minute pour penser à trois choses pour lesquelles vous souhaitez louer le Seigneur ce matin, trois sujets de joie, de reconnaissance que vous avez dans votre cœur. Et c'est un exercice que vous pouvez même faire après, c'est-à-dire tous les soirs. Moi, j'avais commencé, mais j'avoue que j'ai arrêté.
par moments, je m'en rappelle, je le fais, mais je confesse que pas tout le temps. De tous les soirs, pensez à trois choses qui, dans la journée, ont été des sujets de joie et de reconnaissance avant de dormir et au moment de prier et de dire, voilà, Seigneur, je te loue pour trois choses que tu m'as données cette journée. En sachant que dans ce livre, il parle beaucoup de cette femme dont on aime. Ça peut être le mari, ça peut être les enfants, ça peut être les amis, ça peut être les parents, de pouvoir nous réjouir de ces bénédictions que Dieu met autour de nous et qui passent par les personnes qui nous entourent.